Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons vivre assis ou allongés. Le thème d'aujourd'hui, c'est dans le cadre de notre bilan de l'année, l'auto-apitoiement. Est-ce que nous avons tendance à nous plaindre et à nous auto-apitoyer ou pas? Et il me paraît très important de choisir, si nous avons envie de faire un bilan, de choisir d'éviter de le faire dans un esprit d'auto-apitoiement qui va fausser les choses. Et pour ça, on va demander donc l'aide du Tao. Le Tao va nous remplir d'énergie en haut et en bas. Et lorsqu'on a beaucoup d'énergie, eh ben, on a tout de suite plus d'optimisme. Donc, plaçons nos mains devant la poitrine et observons que les doigts fléchent vers le haut. Levons le menton, levons les yeux et observons le plafond de la pièce où nous sommes. Traversons le plafond pour sentir ou prendre conscience qu'il y a du ciel au-dessus, un ciel très haut. Nous pouvons voir la lune ou le soleil. Et encore plus haut, toutes les étoiles. Nous pouvons voir aussi particulièrement Véga ou l'étoile polaire dans l'axe de laquelle nous sommes. Étirons, ramenons maintenant notre menton vers le cou et étirons toutes les vertèbres comme si on voulait monter le sommet de notre tête jusqu'à cette étoile. Profitons-en pour baisser nos avant-bras et tirer nos épaules vers le bas. Respirons en regardant vers le ciel et sentons-nous joyeux d'être reliés à l'infini. Et puis notre regard descend et nous observons, ne serait-ce que dans la sensation, l'écartement de nos coudes. Invitons l'ensemble de notre corps à descendre avec cette stabilité large que dessinent nos coudes comme un diamètre. Invitons l'ensemble de notre corps, de notre attention à descendre jusque dans le bas du tronc, dans le périnée et à l'intérieur de la terre. Sentons la plante des pieds comme vivante, chaude. Et puis remontons doucement, légèrement les avant-bras. Ouvrons très légèrement l'intérieur des mains, de telle sorte qu'il ne reste que le bout des pouces, le bout des doigts et le talon des mains qui soit en contact et que le reste dessine comme un bourgeon. Et dans cette ouverture du cœur, ce bourgeon de vie nouvelle, détendons-nous. Invitons à participer aux bénéfices de ces méditations tous ceux qui vivent en même temps que nous et ceux qui étaient là avant, à commencer par nos ancêtres, ceux qui viendront après. Entrons dans la fréquence des maîtres. Et recevons la salutation généralisée de tous ceux à qui nous venons de nous ouvrir. Relions-nous les uns aux autres. Très doucement descendons nos mains et plaçons les l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Et pour nous remplir d'abord bien d'énergie pour cette analyse de notre niveau d'auto-apitoiement et de auto-plainte. D'ailleurs, parfois, ça reste pas secret, nous partageons ça avec notre entourage. Eh bien, pour remonter notre niveau d'énergie, nous allons commencer par renforcer un petit peu les portes du bas. Et j'essaierai de le faire un peu régulièrement parce que nous avons vraiment besoin
qu'elle soit ferme pour que non seulement nous tenions toutes nos entrailles, mais aussi pour que justement on puisse aspirer l'énergie de la terre et la garder une fois qu'on l'a intégrée. Donc on va commencer par serrer 8 fois l'anus. Donc l'anus, c'est le petit anneau extérieur, sphincter externe, et ensuite il y a le rectum. Donc on fait d'abord 3 fois tranquillement. 1, on lâche. 2, on serre vraiment le bas. Si on est assis, ça demande plus d'effort que si nous sommes allongés, parce que le poids pèse directement. Et 3. Si nous avons bien repéré, nous allons voir maintenant si notre serrage est harmonieux de tous les côtés, et on va le faire. Donc, je ne sais plus combien de fois j'avais dit, mais on va le refaire 6 fois, mais rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, j'ai dit 6, j'ai fait 9. Alors, l'intérêt de ceci, c'est aussi de voir quand on va vite, est-ce que nous sommes capables de n'agir que sur cette partie-là, ou est-ce que l'ensemble de notre bas-ventre s'est mobilisé, y compris donc le ventre et tout le plancher pelvien. Donc essayons 3 nouvelles fois, mais sans agir sur le reste. Essayons juste ce sphincter. 1, 2 et 3. Tenons, montons, tractons-le vers le haut. Et inspirons comme si nous étions en train d'aspirer l'énergie à l'intérieur du corps. Et on peut l'inspirer dans la colonne vertébrale. Et on lâche. Inspirons et expirons, détendons complètement, complètement. Plaçons notre attention derrière le front. Laissons-nous bien peser sur les ischions ou sur l'ensemble du corps si nous sommes allongés, et voyons si déjà quelque chose s'est modifié dans notre façon d'observer la vie et de nous situer dans la vie, dans l'existence. On va maintenant resserrer l'anus, et juste devant il y a un point tendineux qui s'appelle le périnée au sens propre et que les taoïstes appellent le point ruyin. Donc on va serrer ça et remonter très très doucement. Très doucement, ce point-là seulement. Et voilà, si on ne sait pas comment faire ou si on ne l'a pas trouvé, alors très bon enfant, les taoïstes, simplement, ils appuient sur ce point et ils lâchent jusqu'à ce que ça devienne conscient et que l'endroit soit facile à trouver. Donc on peut appuyer, lâcher, appuyer, lâcher. On peut aussi faire des petits tapotis ou des choses comme ça qui vont nous permettre d'amener notre conscience dans cet endroit du corps. Précisément celui-là. Et on monte. 1, 2, on monte le plus possible. 3. Il faut vraiment le trouver parce que si on peut être juste devant ou juste derrière et on n'est plus dans le point ruine. 4, 5, 6, et on fait les trois derniers vite. 7, 8 et 9. Restons serrés, tractons, inspirons en continuant à tracter. Dans l'intention de bien fermer nos pores du bas pour garder notre énergie et d'aspirer un surplus. Maintenant, on va aller du côté du dernier orifice et on va serrer la porte sexuelle. Donc, allons-y. 1. Évidemment, on essaye de laisser tout l'arrière détendu. 2, 3, 4, 5. On tracte, on fait remonter. 6. 7, 8 et 9. On serre, on serre, on serre, on serre. Les testicules remontent comme s'ils remontaient dans le ventre. Et les femmes nous serrons jusque au col de l'utérus. Et on tient un petit peu. On aspire l'énergie. Dans l'idée que nous allons recevoir l'énergie de la terre et nous sentir encore mieux.
Ensuite, nous allons éviter de tout laisser trop détendu après le moment de détente que nous nous offrons maintenant. Donc d'abord un petit moment de détente absolue. En respirant par le bas-ventre, en observant si nous pouvons détendre notre souffle. Et observons si quelque chose déjà s'est modifié dans notre façon de percevoir l'existence. Avec une main, tapotons maintenant le sommet de notre tête, particulièrement le point ruine, le point bahui, celui qui est tout en haut et qui permet l'entrée des énergies yang. Évidemment, on va maintenant essayer de relier les deux, c'est-à-dire avoir de la conscience dans le périnée et dans le ciel, et donc dans le point sur la tête. Pouvons nous amuser à serrer les trois portes, tout en gardant en même temps l'attention vers le ciel et observer en mettant la pointe de la langue contre le palais. En serrant et en lâchant, en souriant, en détendant le cœur et tout le souffle, observons si cette nourriture que nous nous donnons n'est pas en train de continuer à nous changer dans notre façon de voir la vie. Et puis on va lâcher, mais essayer de garder la conscience de l'énergie qui rentre par les portes du haut et du bas, et en gardant une très légère tonicité du point ruine, donc du point du périnée, juste en face, hein, dans le canal central, pour rester conscient. On peut rester aussi conscient de nos pieds sur le sol, et on va même trois fois appuyer consciemment sur nos talons en observant ce que ça fait dans notre posture, ce que ça fait dans le périnée et si ça nous ancre pas un peu davantage. Ce que ça fait dans notre relation à la terre. Deux et trois. Ah, sentons-nous détendus tout en étant très présents à nous-mêmes. Et descendons notre attention dans le cœur. Tapotons tout le point du thymus, là, tout le sternum, et particulièrement la partie haute du sternum, avec suffisamment de vigueur pour remettre en route le thymus, l'auto-immunité, qui n'a rien à voir avec l'auto-apitoiement, et qui va nous rendre le contact avec le cœur et la joie du cœur. Donc, on peut se dire, la vie est merveilleuse, je suis en parfaite santé. Où je vais de mieux en mieux, si ce n'est pas le cas. Où ma joie est indépendante de ma santé. Voilà. Ensuite, on va attraper le point qui est à gauche dans notre poignet, à gauche de notre poignet gauche, qui est donc sous le cinquième doigt. On va placer le pouce comme un pilier, le pouce droit comme un pilier sur ce point et laisser reposer par ce point, donc qui est sous le talon de la main gauche, dans la ligne du cinquième doigt. On va laisser reposer la main. Donc c'est-à-dire l'épaule est détendue, la main est détendue, l'avant-bras est détendu. À gauche et à droite, notre pouce est bien ferme.
Et lorsqu'on fait ça, on peut même touiller très légèrement avec le pouce droit. Et lorsqu'on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train de respirer tranquillement en inspirant, en aspirant dans le point du bonheur. Restons ainsi une minute ou deux. Et observons si nous avons des raisons d'être heureux. Ou plutôt, c'est mal formulé, reconnaissons les raisons que nous avons d'être heureux. On va changer de main. Il y a Calimero, hein, ce héros de bande dessinée qui n'était jamais content, il se plaint tout le temps. Allons-y de l'autre côté, appuyons avec le pouce gauche et laissons tomber en équilibre sur ce levier. Laissons tomber le bras droit, la main droite et appuyons sur le point du poignet qui est dans la ligne du cinquième doigt, juste sous le talon de la main. Après, il faut touiller un peu pour savoir, sentir s'il y a un endroit qui fait plus mal, enfin qui est plus sensible. Alors, il y a beaucoup de chances que ce soit celui-là. Respirons, aimons-nous et autorisons-nous à être heureux. Détendons nos deux mains, posons-les l'une contre l'autre et à nouveau, rentrons notre regard à l'intérieur de nous, reprenons contact avec le ciel et le point couronne, avec la terre, les pieds et le périnée légèrement tenus, avec le thymus et avec le cœur. Le thymus comme ces points du bonheur que nous venons de stimuler sont en relation avec notre cœur. Donc détendons-nous. Et exerçons à notre propre égard, dans l'ouverture du cœur, une bienveillance souriante. Cette bienveillance, accordons-la nous sans réserve. Donc on peut imaginer que nous respirons par le cœur, sourions dedans, regardons dans sa direction, tournons doucement notre regard à l'intérieur du cœur. Offrons-lui une belle couleur rouge. Sentons la légèreté de son feu. Essayons d'imaginer que notre énergie depuis les pieds est comme une flamme qui monte. Tirons doucement la tête à nouveau vers les étoiles, parce que c'est l'énergie du cœur, c'est tout le contraire du tassement. C'est la légèreté, la lumière. Bien sûr, il ne s'agit pas de nous tendre, de nous donner des occasions de tension, mais de nous détendre en nous étirant. Donc, quand la tête va légèrement vers le ciel, ben, le bassin s'enfonce encore davantage dans la terre. C'est vraiment une détente. Dans la terre, je veux dire dans le siège ou dans le lit. Respirons, sourions. Laissons le cœur flamboyer, brûler joyeusement. Et maintenant, observons dans cette flamme du cœur, observons quelques événements de notre vie ou un qui, autant de notre vie ou de l'époque que nous traversons, enfin peu importe. Et qui nous serait facile d'utiliser comme un prétexte à l'auto-apitoiement, à la plainte, au j'ai pas de chance, à l'écrasement, à la déprime. Donc, cherchons un sujet, genre une grosse tuile ou une tristesse.
Et observons, une fois qu'on l'a trouvé, si en fait notre réaction ne vient pas du fait que nous, quelque chose en nous juge que ça ne devrait pas être comme ça. Il devrait en être tout à fait autrement. Et lorsque nous jugeons cela, observons notre cœur. Est-ce que notre cœur se ferme? Non seulement le cœur physique, est-ce qu'il a tendance à se restreindre un petit peu? Et aussi le cœur de lumière, tous les fascias, tout ce qu'il y a au milieu. Est-ce que ça s'ouvre ou est-ce que ça se ferme lorsque nous reconnaissons que si nous avons à nous plaindre, c'est parce que nous pensons que ça n'est pas comme nous voulions et que ça ne devrait pas être comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Sourions et on va faire le son A. Ah. Et on va même faire le son A du rire. Grand rire. Un grand rire que nous nous adressons à nous-mêmes et un grand rire qui va dédramatiser les situations. Donc, on va ouvrir la bouche et au début, on va se forcer. Ça, c'est juste pour être joyeux, mais au début, on n'a pas envie de rigoler, mais on va quand même le faire. Et on va s'imaginer tous les gens qui rient sur la planète au même moment que nous. Non, évidemment, ça veut dire qu'il faut commencer par ouvrir la bouche, hein. Ouvrir la bouche et accepter de prononcer le son A et accepter de rire à gorge déployée, de renverser notre tête en arrière, de rire jusqu'au bout du rire, jusqu'à sentir le tantien dans le ventre, hein. Remontons le périnée. Imaginons en même temps ce truc qui nous vraiment nous amène à l'auto-apitoiement et rions de notre réaction, rions du fait que nous trouvons que c'est très grave, même si ça l'est, parce que finalement, à l'échelle de l'univers, même ce qui est très grave pour nous, ben, n'est pas tant que ça. Et peut-être que ça deviendrait un tout petit peu moins grave si on ne prenait pas les choses tellement au sérieux. Laissons le ventre se mettre à bouger joyeusement. Acceptons de nous secouer là, de rire, hein. On peut être secoué de rire. Cessons de vouloir nous tenir droit et étirer dans le grand rire. Alors quand on a du mal à rire, même en se forçant, eh ben, il y a un truc qui est très facile à faire, c'est de chercher les fous rires sur YouTube. Et donc, nous les mettons et nous rions avec. Quand je donne mes cours de Qigong, au début, personne ne voulait rire. Tout le monde faisait des petits ha-ha-ha. Et maintenant, mais on remplit la salle. Donc, on va faire la même chose avec le rire intérieur. Le rire qui va agir sur l'organe secondaire du cœur et qui est donc l'intestin grêle. Donc, on y va. Et on va jusqu'au bout, toujours en serrant les portes du bas, de telle sorte que ça fasse marcher les abdos. On va jusqu'au bout du. Si on serre bien les abdos, bien les portes du bas, il y a un moment où on va sentir une sorte de point à l'intérieur du ventre qui est le point précis du tantien. Donc celui qui nous aide à être bien ancré dans la terre. Et lorsqu'on est bien ancré, bah, on a aussi beaucoup moins envie de s'auto-apitoyer parce qu'on a plus de stabilité. Détachons nos mains si elles sont encore attachées et secouons-les avec le son de la rate. C'est comme si on disait oh là là. T'as entendu ce qui se passe, c'est horrible ce qui m'arrive. Et on secoue et on va libérer, en secouant bien les mains et les avant-bras, on va libérer toutes les tensions jusqu'aux épaules, tout ce qu'on porte et qu'on trouve vraiment pénible à vivre. Ça va pas enlever le truc pénible si vous devez vous faire opérer, ben, il est probable qu'à la fin de cette méditation, il en soit encore de même. Mais peut-être que notre
façon d'envisager la chose sera différente. Et si nous avons réfléchi à une tuile de passé, ben, elle sera toujours là, mais peut-être que sa charge négative sera moindre. Donc continuons à secouer les mains et ajoutons le son ah maintenant. Ah, libérons la poitrine. Et ralentissons doucement, 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 doucement. Rapprochons les mains. Sentons qu'il y a peut-être une sensation de vibration, de petit picotement, de plus de chaleur ou de poids dans les mains. Et profitons-en pour rapprocher les deux mains de la rate. Donc, il faut mettre même une main sur l'estomac et l'autre sur la rate. Donc, à gauche et à l'arrière. Parce que la rate, elle est responsable aussi de nos pensées. Et il n'y a pas d'auto-apitoiement sans grande pensée. Donc, plaçons la main là et la chaleur de nos mains, offrons-les à l'estomac, au pancréas, à la rate. Offrons la douceur du cœur, de l'énergie. Et voyons qu'il n'y a pas de vie qui soit uniquement positive. Et que si un symbole de Tai Chi n'avait que du blanc, eh ben, il n'y aurait pas de jeu d'énergie, de polarité. Restons avec ces organes, la rate, l'estomac. Offrons-leur une belle couleur jaune. Imaginons-nous dans la campagne. Dans une campagne plutôt de fin d'été que en cette saison. Et remplissons nos yeux, notre souffle, de ce jaune que nous allons offrir à la rate pour la détendre. Tout va bien. La rate, elle peut être obsessionnelle, nous rendre obsessionnelle. Alors détendons-la. L'obsession, c'est quand même comme un agrippement. On agrippe son idée et on la reprend, son émotion et on la reprend. Donc on va imaginer qu'elle s'ouvre et qu'elle laisse tomber vers la terre des flux noirâtres, brunâtres, qui sont les flux du refus de ce qui est. Tout prendre trop au sérieux. Qui mène droit à l'auto-apitoiement, qui va nous renfermer et nous priver d'air, si bien que on respirera mal et que le feu de notre cœur s'éteindra. Soyons dans cette belle campagne ouverte. Imaginons l'énergie de la rate et de l'estomac, leur aura qui s'étend dans tout ce paysage. Grande aura. Tournons nos yeux dedans. Et en respirant tranquillement dedans, qu'allons-nous sur l'instant présent, dans lequel nous sommes simplement bien avec nous-mêmes? Ne pensons à rien qu'au souffle. De temps en temps, on peut faire le son. Et demander à l'univers d'extraire les tensions et les pollutions de la rate, de la désintoxiquer. Ensuite, lâchons, replaçons nos mains, si nous sommes allongés, une sur le ventre, une sur le cœur, ou les deux sur les hanches. Et si nous sommes assis, mettons les mains en vis-à-vis ou l'une contre l'autre, cherchons à entourer notre ventre avec nos avant-bras, à le soutenir. Et en tournant notre regard vers l'intérieur,
en restant avec nous-mêmes, offrons-nous à l'ouverture neutre et d'une neutralité bienveillante, comme on dit, neutre et souriante, à nous-mêmes, à notre vie, sans jugement. Donc laissons notre front se détendre, les mâchoires, la langue. Absorbons la lumière par les yeux, le troisième œil, la fontanelle. Sentons le thymus vivant, le cœur détendu et joyeux. Sentons les pointes du bonheur. Rappelons-nous le rire qui fait vibrer le ventre. Remercions la terre et reprenons contact si nous l'avons perdue avec les portes du bas. Et un très léger serrage qui va nous permettre à chaque fois de recevoir cette énergie terrestre. Et reconnectons aussi nos plantes de pied. Dans cette grande ouverture à nous-mêmes et grande détente, demeurons le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.